Le climat change, c'est une vérité, c'est un fait, c'est quelque chose qu'on va lutter contre pendant des générations, je crois. Donc, il faut commencer maintenant avec la recherche pour les solutions vraiment systématiques. Pour travailler avec un système complexe, il faut rassembler beaucoup de gens avec beaucoup d'expertise dans des autres secteurs pour collaborer. Et trouver dans les liens les plus importants, les points de levier, les points d'intervention les plus importants pour focaliser l'attention, les efforts. Et c'est pour cela qu'on a créé l'atelier Pyramide, la méthode ISIS. Ici, par exemple, on a travaillé ensemble pour créer des cartes sur le système complexe. C'est une partie de la méthode ISIS, l'atelier Pyramide. On commence avec les indicateurs, les constats, les tendances dans le système. Quelles sont les plus importantes? Donc, on commence à explorer les liens entre les tendances aussi. Et voilà, c'est un système complexe, en effet. Puis, c'est important de chercher les points de levier, les points les plus importants dans le système. Où est-ce que c'est plus facile, plus possible de faire un changement formidable qui a des autres effets dans le système aussi. C'est important de focaliser les efforts de tous sur les points les plus importants, avec beaucoup de liens avec les autres problèmes. Par exemple, dans ce groupe-ci, c'était clair après une conversation ensemble que le problème de la corruption, c'était très important. Si on n'a pas des solutions pour ce problème-ci, ce n'est pas possible de trouver des solutions pour le climat change même. Donc, on commence avec la corruption et la sensibilisation des gens. Pour créer une plateforme pour commencer à faire des autres solutions.